أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. Donc avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à mettre un j'aime à la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc hier on a fait une vidéo sur ce Cheikh Al-Qarni qui expliquait qu'un roi parmi les djinns lui avait reconnu que certains versets du Coran lui faisaient très mal. Aujourd'hui, j'ai une autre vidéo que je trouve intéressante au point de vouloir la partager sur ma chaîne. C'est une sœur, vous allez voir, qui discute avec lui, qui lui explique ce qui s'est passé durant une ruqya. D'accord, elle a écouté ses conseils et elle explique les conséquences de la ruqya qu'elle a fait et aussi de la puissance de la sourate Zalzala. D'accord, Ida Zulzilatil Ardu Zilzalaha. On en a parlé hier dans la ruqya. D'accord, au même titre que la sourate Al-Qari'a. Donc on va écouter ça concernant les packs de Ruqya, parce que c'est en lien avec la Ruqya, cette vidéo. Ceux qui veulent se procurer des packs de Tiryak, il faut aller sur le site tiryak.com, tyriaq.com. Et certains m'ont fait remarquer dans les commentaires en me disant pourquoi tu veux absolument nous vendre ta cure, ainsi de suite. On peut rester le Coran dans de l'eau, dans de l'huile, ainsi de suite. Oui, les versets que je cite, toutes les méthodes que je vous donne dans les vidéos, vous pouvez vous faire Ruqya vous-même. C'est pour ça que j'ai préconisé ceci dans mon livre. Comment se faire l'ruqya soi-même. Donc d'accord, moi je propose les cures pour les gens qui sont intéressés, qui ne veulent pas, ou qui ont peur, ou qui ne savent pas comment s'y prendre, uniquement. Mais les gens qui s'en sentent capables, faites-vous l'ruqya vous-même, il n'y a aucun problème sur ça. Je suis le premier à vous le conseiller et à vous donner des conseils, comme je l'ai fait dans mon livre. Hein. C'est une science qui appartient à l'islam, elle ne m'appartient pas. Ça n'a pas une exclusivité du décrypteur, que ce soit bien clair. D'accord, donc il n'y a pas... ne pensez pas tout économie, tout argent dans votre tête. Hein. On n'est pas tous des assoiffés de dunya, d'accord. Bismillah. استخدمت كل اللي قلت عليه الرقية التعطيل والزلزلة والصفات أرسلت لك الصور شفت donc elle dit voilà Cheikh, j'ai appliqué tous les conseils concernant la ruqya contre le sihr al-ta'til, le sihr de l'échec. D'accord, j'ai récité les premiers versets de Safa, surat Safat, et tout ce que le Cheikh conseillait. طيب تسمحين انت بعرضهم؟ معلش اعرضهم. حبة تمر واحدة زي ما قلت لكم لمدة 7 أيام كل حبة هي حبة واحدة في اليوم حبة واحدة في اليوم سواء قبل النوم أو على الريق حبة واحدة تحطين داخلهم 7 حبات الحبة السوداء وتاكلينهم بزيت الزيتون اللي عليها رقية سورة الفاتحة والزلزلة وآية الكرسي والمعوذتين بعدين donc il explique il conseille aussi donc les gens qui l'écoutent de prendre une date pendant 7 jours une date tous les jours vous mettez 7 grains de حبة سوداء c'est graines de nigel à l'intérieur d'accord c'est les graines noires qu'il y a dans le pain vous savez que vendent souvent les Tunisiens. Vous trempez cette date dans de l'eau coranisée, d'accord, de l'huile coranisée, et vous prenez une date à jeun ou le soir avant de dormir, tous les jours, pendant 7 jours. Et dans cette huile, vous allez réciter la Fatiha, Ayat al-Kursi, les 10 premiers versets de Safat, Al-Zalzala, Al-Qari'a, et les 3 dernières sourates, d'accord, du Coran. تغمسين التمر طيب صلي على رسول الله انا ابغى اطلع المشاهد هذه وانت تتكلمي عنها انا ما ادري وش هي بالضبط هذا وش هو هذا قرات الزلزله والصافات 7 مرات 7 ايام في البيت عندي البلاط السيراميك حق الصاله حق بيتنا تفجر لحاله وطلعت هذه الاشكال من تحته donc là le cheikh elle lui a montré des photos elle lui a envoyé des photos une sorte de dossier où il y a plusieurs fichiers et le cheikh dit est-ce que tu me permets de les exposer elle dit oui et elle va expliquer c'est quoi en fait Donc elle explique qu'elle a récité Surat Safat et Azalzala durant 7 jours dans sa maison. Bien sûr avec l'intention de ruqya, c'est important.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a du carrelage qui a pété. D'accord? Le carrelage du sol, je crois que c'est dans le sol, a pété. Bon, c'est du carrelage en céramique. وطلعت هذه الأشكال من تحته. طيب رشيته بالماء البارد ولا لسه؟ رشيته بالماء البارد وماية مقري عليها وبعدين حطيت ملح وخل. Donc elle explique qu'elle a mis de l'eau coranisée avec du sel à cet endroit-là. Peut-être elle s'est dit, si sûrement il y avait du cirque à cet endroit-là, suite à la lecture du Coran. Donc sûrement c'est quelqu'un qui lui a fait du cirque, qui est lié en tout cas à elle, pour que ça se trouve dans sa maison. Wallahu a'lam. وشغلت البقرة والمعوذات. أحسنت. بارك الله فيك، طيب هذا يدل على انه في اذى اخرجه الله سبحانه وتعالى من المنزل. طيب اشرحي لهم برضو عن هذه، انا اشوف انها نفس وكانها سمكه بالضبط، كانها سمكه. هذه وش قصتها؟ هذه سمكه وش قصتها؟ هذه استعملت رقيه التعطيل لمده اسبوع وبعدها والبقره والمعوذات والفاتحه، بعدها سويت الحجامه في نفس يعني بعد اسبوع تقريبا في يوم 14 زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد الحجامه طلعت مني هذه الاشكال. Donc lui dit c'est quoi ça? Voilà, c'est en forme de poisson. En fait, c'est du sang coagulée. Donc elle a fait une hijama, elle explique qu'elle n'arrêtait pas de réciter donc Al-Baqara, Safat, Surat Zalzala, d'accord, et en même contre le sihr ta'ati, le sihr de l'échec. En même temps, elle a fait hijama tous les jours conseillés par le prophète, et il y a donc du sang coagulé, ce qui est tout à fait normal, mais avec une forme comme ça de poisson. Donc le shir pense que c'est pas un hasard. Donc je suis un peu dubitatif sur, sur cette seconde photo, mais à moitié, on va dire 60%. هذه الأشكال اللي تحت السيراميك طلعت كلها أشكال سمك وأشكال في البحر نفس الأشكال اللي طلعت من جسمي بالحجامة. طيب وهذه وكأنها عين أعتقد. هذه كأنها عين وهذه في حمامة، هذه الحمامة كانت يوميا تقعد عند شباك غرفة نومي وأنا أقرأ قراءة التعطيل تطق علي الشباك يوميا تقعد. هذه الأشكال اللي تحت السيراميك طلعت كلها. Alors ça, j'ai besoin de voir bien la photo. Vous allez comprendre pourquoi. هذا وشو؟ هذه الأشكال. Ah, ça va trop vite. Donc là, en fait, il y a des. Elle a devant sa fenêtre, pareil, elle a du. Vous savez, devant la fenêtre, elle met des. Il y a ça en marbre, en céramique. Bon, je pense que c'est l'essentiel. Et en fait, donc elle fait ruqya et elle explique que suite à la ruqya, il y a ça qui est apparu devant sa fenêtre. Alors peut-être que c'est le fruit du hasard, peut-être que c'est des formes comme ça qui apparaissent, tout à fait naturelles, et des fois on essaye de les décrypter, je ne sais pas. Ça me paraît un peu... bon. Et elle explique que c'est suite à la ruqya, et elle explique qu'il y avait une tourterelle ou une colombe qui était à cet endroit-là, et chaque fois qu'elle faisait la ruqya, cette colombe se mettait à frapper sur la fenêtre. Moi personnellement ça j'y crois, pour des raisons que seul je connais. Et qui tapait comme ça à la fenêtre durant sa ruqya, tout le long de la ruqya, cet oiseau qui tapait en fait dans sa fenêtre. Donc là, il y a quelque chose qui ressemble à un œil ici. Donc il y a quelque chose qui ressemble à une sorte de tête, je crois, de colombe, quelque chose comme ça. Ça, je sais pas. Alors l'œil, je ne sais pas si c'est elle qui a dessiné juste pour montrer, ou c'est l'œil qui est apparu comme ça, je ne sais pas. Moi je pense que c'est juste les flèches, ça indique la représentation de ce qu'elle a vu. تطير بعدين جبت مويه مقري عليها ورشيت في الشباك نعم من بعد ما رشيت الشباك الحمد لله ما عاد جات صارت تروح Donc elle a commencé à mettre, elle a dit chaque fois la colombe elle tapait à la fenêtre, et quand elle a mis de l'eau coranisée, elle était plus présente, elle venait plus. Donc elle allait dans d'autres fenêtres, d'autres rebords de fenêtres, et quand elle mettait encore de l'eau, elle venait plus.
طيب وكان طيب يعني سمي. وكان في قطوة عند شباك غرفة نومي برضو فوق سقف الجيران، كانت هي ومعها 4 أطفال. كل ما أبدأ القراءة جلست يعني تقريبا شهر كامل، كل ما أبدأ القراءة تجي، بعد ما أوقف القراءة تختفي. يعني سبيكا بزين رقية كبزلا رقية. Elle disait qu'il y avait une chatte avec ses petits qui apparaissait, d'accord. Chaque fois qu'elle faisait le ruqya, elle était présente. Et donc, quand elle a commencé à propager de l'eau de ruqya, cette chatte avec ses petits a disparu, ainsi que cette tourterelle. طيب سبحان الله العظيم انا ابغى تتكلمين بالله عن العين هذه، هل هذا واقع؟ امانه اسالك بالله العظيم، هذه الصوره اللي صورتيها شكلها، سالت بالله العظيم قدام 13000. اقسم بالله العظيم هذه اي والله في البلاط، انا منزلتها في التيك توك، يعني لو تدخل التيك توك انا كنت حاسبك من ذيك الايام اتابعك، انا منزله هذه المقاطع كلها والناس بتتكلم فيها. لا لا انا الان على الجاكو خلاص، انا طلعت من التيك توك تماما. اي نعم انا تابعتك من هذيك الايام فكنت منزله، هذا حسابي خلاص بثنا دائما. دوك يجي جو تو دوموند دوفون 13000 سبيكتاتور اسكو cet œil, tu as vraiment vu, est-ce que c'est réel? Donc je ne sais pas si c'est cet œil qui est dessiné ou c'est l'œil qui est au-dessus de la flèche, vous savez. J'ai pas bien compris en fait, personnellement. Elle dit oui, j'ai montré ça sur TikTok, ainsi de suite. Donc elle dit ouais, t'as bien pris cette photo après avoir reçu cette zelzala. Elle dit oui, je prends Allah à témoin. Surat al-Zelzala et Surat al-Safat. Bon, les 10 premiers versets de Safat, c'est vraiment une torture pour les shayatin, il faut le savoir. Voilà, alors je sais pas si. Vous voyez une flèche ici avec un cercle. Je sais pas, en fait, moi je pense que l'œil qui est dessiné ici, c'est une représentation de l'œil qui est ici, là. Je pense pas que ce soit ça. Ça, à mon avis, c'est juste un dessin qui représente ce qu'il y a dans le cercle rouge. Je pense, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Là aussi, il y a ça qui est apparu. Là aussi, on voit que c'est un peu. Ça ressemble à une sorte de tête d'oiseau. Voilà, une tête de pigeon. Donc voilà, je ne sais pas ce que c'est des dessins qu'elle a mis qui représentent qu'elle pense être ça. En tout cas, voilà la vidéo, voilà ce que cette sœur a envoyé au Shir. Est-ce que c'est juste des représentations comme ça, qui c'est un hasard à l'interprète de cette manière-là, ou est-ce que réellement... il y a quand même des trucs bizarres. Bon, une tourterelle qui présente, qui à chaque fois, durant la ruqya, quand la ruqya elle part, ainsi les chats c'est pareil, le carrelage qui se brise comme ça. Bon, c'est pas impossible qu'elle soit durement touchée par un sihr, que quelqu'un voulait détruire sa famille. Souvent, ta'til, c'est pour séparer l'homme de l'époux de son épouse, d'accord, et de créer des problèmes dans la maison. Donc, c'est pas impossible. Donc, je sais pas. Quoi en penser, l'image du début, je pense que c'est possible. Rebord de la fenêtre, je ne sais pas, mais la tourterelle, les chats, oui. Wallahu a'lam, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Mais en tout cas, il n'y a pas de doute que Surat al-Zalzala, d'accord, Al-Qari'a, comme on a vu hier, et Surat al-Safat est très, très efficace dans le domaine de la ruqya, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que c'est abusé? Est-ce que c'est juste une représentation mentale? Je ne sais pas. Allahu a'lam. Salam à tous.